Salut, donc dans cette vidéo, je vais vous parler des décorations de chaque saison. Voilà, encore une fois, enfin, comme très souvent d'ailleurs, je m'inspire, surtout que maintenant, voilà, vous m'envoyez beaucoup de messages. Encore une fois, je tiens à vous remercier, je reçois beaucoup, beaucoup de messages, gens qui me disent qu'ils aiment vraiment bien les vidéos, et voilà, et encore une fois, voilà, au début de l'année, enfin, après être rentré de vacances, je m'étais dit, bah, je ferai 3 vidéos par semaine, et là, du coup, bah, voilà, je suis vraiment plein de motivation, j'ai envie de faire une vidéo tous les jours, donc je ne garantis pas qu'il y aura une vidéo tous les jours, j'essaie tous les 2 jours, des fois tous les jours, mais en tout cas, ça me motive énormément, donc merci à tous ceux qui m'envoient des messages en me disant qu'ils aiment ce que je, enfin, voilà, qu'ils aiment les vidéos, que ça leur fait partager la magie de Disney, parce que le but, enfin, j'ai vraiment deux buts avec cette chaîne YouTube et mon blog, c'est voilà, faire partager la magie de Disney et aider les gens à organiser leur séjour, quoi. Donc voilà, c'est super, merci. Ah, donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc qu'on ne sait pas forcément sur les décorations de chaque saison, pardon. Juste avant ça, vous pouvez accéder librement à mes 5 vidéos privées donc qui ne sont pas disponibles sur YouTube, où je vais vous partager les meilleurs plans pour faire des économies, pour gagner du temps, gagner de l'argent, accéder au VIP Fastpass, bien choisir votre hôtel, les meilleurs emplacements pour Disney Dreams. Voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez organiser un séjour bientôt, vous êtes en train d'organiser un séjour à Disneyland Paris, croyez-moi, vous allez apprendre des choses, voilà, ça risque de faire une différence si vous vous inscrivez à ces vidéos, ça vous, voilà, au final, c'est gratuit, et voilà, ça dure environ 20-30 minutes et vous aurez vraiment pas mal d'informations. Alors, pardon, il faut cliquer sur le lien ici ou sur l'image ici, j'ai oublié. Alors, donc les décorations, voilà, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, en fait, c'est tout simplement, c'est que les décorations, en fait, de chaque saison, donc on va prendre par exemple, on va dire, mettons, le printemps. Voilà. Donc le printemps qui arrive, qui commence en mars, enfin cette année qui a commencé en mars et qui s'est terminée fin mai. Donc mettons du 1er mars au 31 mai, je ne sais plus si c'était les dates exactes, mais enfin bon, peu importe, c'est pas la question. Enfin, donc du 1er mars au 31 mai, il y a le printemps. Donc voilà, donc à partir du 1er mars, il y a le printemps, avec les décorations et les animations du printemps, et à partir du 1er juin, donc c'est l'été, donc le 31 mai, ben voilà, c'est le printemps, c'est fini. Donc en fait, en général, pardon, il y a justement un petit décalage entre les deux. Donc ce que je voulais vous dire, c'est justement, c'est que les décorations, elles n'apparaissent pas et ne disparaissent pas soudainement. Donc, en gros, ça veut dire tout simplement que si vous venez une semaine avant ou pendant les quelques jours après, vous allez avoir toujours ces décorations. Donc c'est particulièrement valable, j'en parle notamment pour Halloween. Donc là, ça va être un exemple beaucoup plus concret. Donc cette année, on a Halloween qui commence le 1er octobre, qui termine le 1er novembre. Si vous venez par exemple le 25 septembre, il y a de fortes chances qu'il y ait énormément de décorations d'Halloween encore, enfin qui soient déjà arrivées. Et si vous venez 2 3 jours après, bon, ils vont se dépêcher parce que là il y a Noël qui commence directement, donc voilà, mais il y a de fortes chances que vous ayez encore des décorations d'Halloween, voire un mix entre Noël et Halloween. Donc voilà, donc c'était la chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que parce que j'ai justement reçu un mail de quelqu'un au sujet de fin septembre. Voilà, si vous allez quelques jours avant, voire une semaine avant, vous aurez encore ces décorations, et donc finalement vous n'aurez pas les animations, quoique des fois il y a quand même des premières animations qui commencent, des tests d'animation, mais vous aurez en tout cas les décorations. Donc ça peut être un plan un petit peu sympa, par exemple, c'était d'aller fin septembre à Disneyland Paris pour profiter déjà un petit peu en avance des décorations d'Halloween, tout en payant un tarif qui reste un tarif de saison basse, voire moyenne saison. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner. Et n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des amis. Ou voilà, si vous avez aimé, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine ou après. Salut!